Bonjour à tous. Donc, merci Jérôme d'inviter pour cette deuxième fois à cette remise de diplôme. Là, je suis un peu ébloui. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter rapidement la structure Axel One qui a été mise en place il y a à peu près quelques années et toute la partie innovation en ce qui concerne les industriels. Donc, tout d'abord, Axel One, c'est une association qui a été créée en 2011, dont les deux thématiques d'excellence sont les matériaux et les procédés innovants. Donc la mission principale, en fait, d'Axel One, c'est la mutualisation de moyens, de services et de compétences pour les projets collaboratifs industriels, pour les industriels, les laboratoires académiques et les TPE. Donc Axel One, c'est des infrastructures, de laboratoires, de halles technologiques, des espaces adaptés à la chimie, laboratoires, halles, bureaux et des services sur mesure pour implanter et conduire des projets collaboratifs. Donc c'est vraiment une structure collaborative pour faire fonctionner les projets. Donc Axel One fournit aussi des prestations de services avec un accès large à un parc d'outils mutualisés, des prestations de R&D en analyse industrielle. Donc Axel One Analysis, c'est la partie industrielle, et nous avons des opérateurs dédiés pour mener à bien nos recherches. Et Axel One est agréé au Crédit Impôt Recherche, donc ce qui est important pour les structures qui travaillent avec nous. Donc, la région Aura et Axel One est implantée en fait en région lyonnaise, donc la première région de production chimique de France, le second pôle scientifique universitaire de France et la seconde agglomération industrielle de France. Donc nous sommes aidés dans nos missions par trois pôles de compétitivité. Donc tout à l'heure, Sylvain évoquait. Donc Accelera sur la partie chimie et environnement, Plastipolis pour la partie plasturgie et Tectera pour la partie textile. Donc Axel One, c'est trois sites maintenant. Un site campus, donc tout proche d'ici à quelques mètres en face de CPE, qui héberge essentiellement des équipes académiques et des projets collaboratifs dans le domaine académique. Et deux sites à vocation plus industrielle dans le sud de Lyon. Donc tout d'abord, à côté à Saint-Fons, autour de tout ce qui est matériaux innovants, et PPI, procédés propres innovants, à Solèze, sur le site de l'IFP Énergie Nouvelle. Axel One, c'est 9000 m² de locaux dédiés, 25 millions d'euros d'investissement, et ça, la partie analyse industrielle, plus de 1,5 million d'investissement. 200 personnes hébergées, et un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, en sachant qu'Axel One est une association. Donc les domaines de compétences d'Axel One, c'est polymères et matériaux avancés, Smart Process, donc qui intègre la partie procédé et la partie analyse, dont j'ai la charge, et la partie catalyse. Et des fonctions transverses autour du digital et data science, qui est en train vraiment de monter en puissance, en fait, dans l'industrie. Sylvain l'évoquait tout à l'heure, et c'est un des points forts sur lesquels nous pouvons travailler actuellement. Donc la partie Axel Analysis, donc, qui est la partie R&D d'Axel One, dédiée à l'analyse industrielle. Donc les compétences d'Axel One Analysis sont le développement de solutions analytiques en analyse industrielle, donc analyse en ligne, c'est-à-dire des instruments qui sont directement connectés sur les procédés ou dans les laboratoires de recherche pour utilisation de procédés. Nous faisons du conseil d'aide à la décision pour les investissements, donc de plus en plus en fait on est sollicité par les entreprises pour le conseil autour de l'instrumentation grâce aux compétences de nos experts. Nous faisons des audits industriels et installations d'analyse industrielle. On est capable d'intervenir directement sur site industriel ou pilote pour faire des mesures en temps réel. Prestations de R&D, et nous participons soit en tant que partenaire ou en sous-traitant dans des projets nationaux ou européens. Donc Axel One a vocation d'être un centre d'innovation autour des industriels intelligentes. Donc Axel One est à l'intersection entre des industriels qui seront actuellement organisés en consortium, donc les industriels majeurs, et je ne les citerai pas tous,
et un deuxième consortium que nous avons monté depuis janvier, d'apporteurs technologies analytiques et digitales. Donc en fait, Axel One fait le lien entre les besoins industriels clairement définis, les contraintes d'installation, les contraintes de performance analytique et les apporteurs technologies. Et nous, ce qu'on fait dans nos laboratoires, c'est qu'on fait le travail de développement ou d'amélioration d'instrumentation pour que les instrumentations proposées par les apporteurs technologies puissent être à terme implémentées directement sur site industriel ou dans les laboratoires de recherche en analyse. Donc Axel One peut faire en fait tous ses travaux grâce à des compétences, donc des experts, des spécialistes d'analyse et surtout d'analyse industrielle. Et c'est pour ça que la profession, il y a quelques années, s'est mobilisée et on est venu voir Jérôme Brandon en disant qu'il faut vraiment former des spécialistes à l'analyse industrielle parce que le métier d'analyse industrielle est très, très, très différent du métier de laboratoire. Des outils, donc comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 1,5 million d'investissements ont été faits sur 4 ans autour d'instrumentation, d'analyse industrielle et de systèmes expérimentaux et des infrastructures industrielles. Donc nous avons dans Axel One des laboratoires industriels. Donc dans le cadre des projets mis en œuvre en fait pour les industriels, nous sommes capables en fait de mettre en œuvre leurs produits en conditions de pression, température, avec des produits dangereux. Donc vraiment l'interface entre les besoins industriels et les apporteurs technologiques. Donc actuellement 10 apporteurs technologiques se sont fédérés en consortium, mais on ne travaille pas exclusivement pour ce consortium. Nous avons bien sûr d'autres partenaires apporteurs de technologie. Et bien sûr, on a besoin de compétences universitaires. Et donc là, on travaille avec, je ne vais pas tous les nommer, mais je vais nommer Lisa, qui est proche, où là, vraiment, on a un ressourcement académique fort sur les problématiques de développement analytique. Et nos équipes, en fait, pour la plupart, participent au master analyse industrielle pour donner des cours. Donc les thématiques d'Axel One Analysis sont diverses et variées. Donc on travaille beaucoup sur les techniques séparatives, les techniques spectrales et data science, de plus en plus, les capteurs physiques et physico-chimiques, l'échantillonnage. Donc tout à l'heure, monsieur évoquait les problèmes d'échantillonnage au niveau criminalistique. Mais au niveau analyse en ligne, c'est vraiment important. Vous pouvez mettre un appareil le meilleur qui existe, même si votre échantillonnage n'est pas représentatif de l'analyse de l'échantillon procédé, je dirais que ça ne sert pas à grand-chose. Et ce qui est important, de plus en plus, c'est la partie digitale pour l'optimisation des procédés. Et de plus en plus, en fait, on aura besoin d'avoir des compétences de plus en plus fortes, je dirais, dans ce domaine, qui va allier aussi bien la partie analytique que la partie digitale. Au niveau expertise, donc l'échantillonnage et traitement d'échantillons en ligne, nous sommes capables de générer des échantillons de référence grâce à tous les moyens de laboratoire, l'instrumentation et tout ce qui est traitement de données sur la partie digitale, data science, etc. Je vous fais un petit focus maintenant sur la partie innovation. Donc, c'est ce que m'a demandé Jérôme. Et pour faire un focus un peu sur tous les travaux d'innovation que nous faisons sur Axel One. Donc tout d'abord, en technique séparative, donc les innovations actuelles, donc ces innovations sont drivées par Marie Tulin, qui est ingénieure sur Axel One, qui travaille dans deux grandes thématiques. Tout d'abord, les thématiques séparatives au niveau GC, micro-GC, avec beaucoup de travaux autour de nouvelles technologies de micro-GC qu'on actuellement sur le marché, apporté par des sociétés comme Keblis, comme Apix. Les développements spécifiques de systèmes d'injection pour analyse de fuites complexes et qui conduisent actuellement à avoir des approches de plus en plus fines pour l'analyse de fuites complexes, comme une approche bidimensionnelle. L'ARMN en ligne, donc là on travaille, on vient de faire l'acquisition d'une RMN en ligne, comme vous l'avez fait au service de la police. Donc on n'a pas encore vocation à mettre l'instrumentation directement sur le procédé. Par contre, c'est un outil
qui va aider les chercheurs en fait à l'optimisation de procédés et au développement de procédés. Bien sûr, pas les techniques en ligne, et des technologies comme la spectroscopie revue spatialement, avec qui on travaille depuis de nombreuses années avec Indatech. Les capteurs physiques et physico-chimiques, donc c'est une part importante aussi des travaux que nous réalisons sur AccelOne. Donc Sylvain Charquet est un des premiers étudiants sortis du master, il y a quelques années, qui a été embauché par nos collègues de Solvay, qui a en charge cette partie-là. Donc il travaille autour de l'émission acoustique, qui est une technique rapide d'installation directement en ligne, où là on a travaillé sur l'application de ces technologies pour le suivi d'applications en ligne. Les capteurs d'IDER et généralistes, donc les pH, densité avec les nouvelles technologies, et surtout on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est couplage entre capteurs et les capteurs collectés intelligents. Un acteur chimique qui peut être en continu, qui est en batch. Nous, notre cœur de métier, c'est contrôler en temps réel ce qui se passe en fait dans le réacteur. Donc pour cela, on met des analyseurs, on met des capteurs, etc. Donc l'idée, lorsque vous fonctionnez en batch ou en continu, c'est de garantir en temps réel la qualité du produit. Donc on a des remontées d'informations qui viennent de température, de pression, d'analyse. Donc derrière, en fait, il y a tous les algorithmes d'optimisation qui vont permettre en fait, de donner les bonnes consignes aux paramètres entrant dans le réacteur pour garder la qualité du produit. Donc ces travaux ont été initiés sont en cours d'initiation sur AccelOne, et on a monté un pilier digital avec l'ensemble des industriels qui est fortement impliqué, et des sociétés actuellement comme Camo, une société norvégienne, qui est spécialisée en optimisation de procédés, Inevo Optimistic, qui est spécialiste en data science, et une jeune société, Chem Intelligence, qui fait de l'intelligence artificielle. Donc le but, c'est de faire l'optimisation de la production en batch ou en continu, optimisation des étapes de développement, parce que là, sur ce slide-là, je vous montre en fait sur une usine, mais on peut imaginer aussi dans les étapes de développement de procédés en laboratoire, d'avoir une démarche analytique et intelligente pour gagner du temps en termes d'optimisation de procédés. Et bien sûr, l'apport fort autour de l'intelligence artificielle appliquée au développement et au contrôle des procédés. Donc là, on avance. Les industriels sont fortement engagés dans cette démarche et on espère d'ici quelques mois avoir sur AccelOne un des premiers démonstrateurs au niveau laboratoire sur un réacteur intelligent. Voilà, c'est mes bébés. Donc là, hier en fait, j'ai fait un peu un bilan des étudiants qui étaient passés sur AccelOne. Donc je vais prendre quelques minutes quand même, si tu permets, une minute. Donc Adrien est un des premiers sortis du Master Analyse Industrielle, qui a ensuite fait un doctorat avec nous, il est actuellement embauché chez Total comme responsable analytique. Il avait dans sa promotion Maud, qui est actuellement embauché aussi à l'IFP, qui a fait un doctorat. Cheryl, que j'ai vu tout à l'heure, qui est actuellement chez Perkin Elmer. Clio Paillet, qui est actuellement chez Technip. Donc, Sébastien, chez Adiceo. Manis Kenani, qui est actuellement en doctorat, en troisième année. Léna de Troyes, qui est chez Mettler. Et Katerina, qui est en thèse à l'IFP Énergie Nouvelle, et la toute dernière qui est actuellement chez nous en formation, Anaïs Douce. Donc on a aussi chaque année des Erasmus. Donc Marco, qui est resté en France, qui est embauché chez Servier, Alexandra, qui est en thèse à l'IFPEN, un autre Marco, je suis un petit peu abonné au Marco, qui est actuellement en thèse en Allemagne,
Malika qui était en thèse, Justine qui est en thèse en Belgique, et Ekano qui est actuellement embauché dans un centre de recherche à Singapour avec qui on va travailler. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.